La bonne gouvernance, facteur d'atténuation des conflits en Afrique, rôle et contribution des barreaux. C'est sous ce thème que l'Association des barreaux africains tient l'édition 2021 de sa traditionnelle conférence annuelle à Niamey, la capitale nigérienne. Les élections transparentes, la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, les causes et conséquences de l'instabilité en Afrique, ainsi que les réponses juridiques à y apporter, sont entre autres sujets qui seront développés par plus de 500 avocats du continent participant à la rencontre. Un certain nombre de défis et de maux qui assaillent le continent africain qui sont identiques pratiquement dans tous les États africains. Et donc, c'est pour apporter des solutions concrètes à ces fléaux que nous avons estimé que la bonne gouvernance doit être au cœur du système, sur la base des régimes ou de la gouvernance même des États. Les hommes en costume noir et blanc vont jusqu'au 7 octobre 2021 échanger, débattre sur des thématiques relatives au fonctionnement de la Cour de justice de la CEDEAO, la problématique de la lutte contre la migration irrégulière et la lutte contre la criminalité organisée. Des phénomènes qui continuent de mettre à rude épreuve les États africains. Principalement, une des résolutions ou recommandations que nous voudrons faire voter, c'est d'abord de marquer notre position ferme et indéfectible par rapport à la réprobation de tout changement de pouvoir par la force. Que c'est les peuples qui choisissent leurs élus, leurs gouvernants, et c'est au peuple maintenant de faire remplacer leurs gouvernants par le jeu démocratique. Parce que tant que nous continuons à assister en Afrique à des changements de pouvoir par des coups de force, par des assassinats politiques, par l'utilisation du pouvoir judiciaire pour des règlements de comptes politiques, nous ne pourrons pas asseoir une bonne gouvernance. Or, c'est la bonne gouvernance qui constitue le socle de tout développement. Au cours de ce rendez-vous africain de Niamey, plusieurs anciens chefs d'État africains ont été décorés pour leur contribution à l'ancrage de la démocratie et l'alternance démocratique dans leurs pays respectifs. Il s'agit de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, l'ancien chef d'État sierra-léonais Ernest Koroma, l'ancien président du Nigeria Goodluck Jonathan et l'ancienne chef de l'État du Liberia Ellen Johnson Sirleaf.